assez rapide. C'est de Presto J. Ça te permet de redoubler directement tes bandes dans la journée. Donc là, j'ai juste deux pauvres bandes à faire. Donc je fais ça et comme ça, je peux recharger direct. Plutôt pratique. Tu vois, hop, c'est posé. Alors au niveau de la finition, ça va être nickel. Hein. Là, c'est juste qu'il y a eu deux passes d'enduit, c'est encore frais. Donc forcément, quand je filme et que je fais un gros plan, c'est pas top. Mais après, je vais enduire tout le plafond. Tu vois, hop, et ça va être impec. Matin, alors je te montre un petit peu. Bon, t'avais déjà vu la trappe d'accès là qui est dans le couloir. On va faire le câblage. Donc, je vais aller là-dedans, je mets une boîte de dérivation et là, tac. Ici, j'ai les wagos, la perceuse pour fixer la boîte, pince à dénuder qui est quelque part, je vais la trouver. Et okay, c'est parti. Là, je vais essayer de passer en fait tu vois en fait ici, donc là on est dans la pièce technique on va dire, dressing, donc là je t'ai pas remontré en fait, j'ai décidé au dernier moment de mettre un sèche-linge, donc il me faut une ligne spécialisée, le plafond a été fait, donc en fait j'ai refait une saignée, paf, j'ai percé en haut, tu vois, pour arriver au-dessus du faux plafond, et là je vais aiguiller, donc là je vais utiliser les aiguilles de chez Wurth là, donc pareil si tu cherches, il y a les liens en description, c'est toujours intéressant. Et là, c'est un truc de ouf. En fait, moi, je ne connaissais pas, mais il y a un petit accessoire qui se met au bout. Donc, en gros, tu vois, c'est des tire-fils. Donc, il y a plusieurs baguettes de plusieurs couleurs avec des rigidités différentes. Et là, ce qui est ouf, c'est que donc ça vient se visser. Non, attends, j'essaie avec la caméra, hein, désolé. Tu as le petit embout ici, tu vois. Et quand tu viens visser cette partie-là, ce qui se passe, c'est que tu as une petite LED. Et tu vas voir à quel point ça se révèle pratique.
aujourd'hui on emmène le monstre, tu vois, on l'emmène, donc lui c'est le ballon thermodynamique, on l'emmène et on le met ici. Du bas, donc je sais pas si je t'ai montré en haut, tu vois, j'ai cassé tout ça et en fait le tuyau a changé, c'est celui-là. Ça va pas être énorme ça à faire, tu vois, il passe ici, il passe là, puis après il va au sous-sol. Je dois changer vraiment toute la colonne. Je te disais pas, je suis au sous-sol, en gros c'est mon atelier derrière, c'est le bordel, je te montre surtout pas, je vais ranger ça. Bref, et là en gros, tu vois, j'ai retrouvé la descente là, la chute, ici, il faut que je casse là, ah j'y arrive jamais, faut que je casse ici, que je vienne virer le pont qui est là, tu vois, tout autour. C'est la fin de la vidéo, bah écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage, et puis à t'abonner, dans la suite il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc voilà, je t'en dis pas plus, surprise la prochaine fois, on va commencer, ouais, une petite cloison et tout, ça va être sympa, vraiment là on va, ça va commencer à ressembler à une salle de bain, allez salut.